Radis, bienfaits et vertus. Le radis est faible en calories, rafraîchissant, source de vitamines B et C et offre de nombreux bienfaits et vertus sur la santé. C'est une petite plante annuelle originaire d'Europe et d'Asie méridionale qui appartient à la famille des Brassicacées. Le radis rose et ses bienfaits sur la santé. Riche en vitamine C et B9, en fibres, en potassium et en magnésium, les radis rouges contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux. Ils aident à réduire la fatigue, protègent les cellules contre le stress oxydatif et contribuent à la prévention de certains cancers. Les composés soufrés du radis, qui leur donnent ce petit goût piquant, stimulent l'appétit. Choisissez les jeunes radis qui sont moins chargés en composés soufrés. On recommande le radis rouge pour faciliter les digestions lentes, remédier à l'aérophagie et aux flatulences. Les tranches de radis frais soulagent les coups de soleil et les érythèmes. Cultivez le radis pour ses bienfaits. Pour cultiver le radis rouge, une exposition chaude et ensoleillée est nécessaire. Ils ont besoin d'une terre fraîche et riche, meubles voire sablonneuses et bien drainées. Attention aux limaces et aux escargots qui adorent les semis de radis. La mouche du chou s'attaque à leurs racines. Les radis rouges se comportent parfaitement bien dans un pot de 25 cm de profondeur. Éclaircissez votre plante sinon les racines ne grossissent pas. Le radis aime avoir un sol d'eau bien drainé, voire sableux. Le radis rouge en cuisine pour ses bienfaits. Radis santé, il se consomme cru, à la croque au sel, avec d'autres crudités ou encore râpés et sont meilleurs lorsqu'ils viennent d'être ramassés. Les fans du radis sont gorgés de fer, de vitamines et de nutriments, dégustés en salade associée à d'autres feuilles, en soupe de fans de radis ou à les croquer tout simplement. Apport nutritionnel. Pauvre en calories, 13 cal 100 g, les radis sont riches en vitamine C et en sels minéraux, potassium, soufre et fibres pour le transit. Maladie du foie. Le radis est un remède naturel contre la jaunisse. Les radis peuvent être très utiles dans le traitement de la jaunisse. Capacité à éliminer l'excès de bilirubine du corps et à maintenir une production stable. Vous pouvez également empêcher la destruction et la mort des globules rouges, ce qui est courant chez les patients atteints de jaunisse. Le radis est un excellent détoxifiant et purifiant. Sa consommation régulière garantira que votre sang est exempt de toxines et de déchets. Les meilleures options pour lutter contre la jaunisse sont les feuilles de radis noir. Il protège le foie et la vésicule biliaire. Le radis régule le flux et la production de bile, d'acide, de bilirubine et d'autres enzymes hépatiques. Ceci est bénéfique pour maintenir le bon fonctionnement du foie, de la vésicule biliaire et de la vésicule biliaire. Débarrassez-vous des calculs biliaires. Vous pouvez couper un à deux radis en petits morceaux. Mélangez-les avec du jus de citron et dégustez toutes les heures. Le même processus doit être répété les jours suivants, mais toutes les deux heures. Cela aide à éliminer les calculs biliaires. Maladie digestive. Certaines caractéristiques du radis offrent de grands avantages d'un point de vue digestif. Il est riche en fibres et en eau. Le radis peut favoriser des selles régulières et soulager la constipation. La consommation de radis peut également prévenir les gaz excessifs et la diarrhée. Il prévient et soulage les hémorroïdes. Sa teneur en fibres favorise la digestion et prévient la rétention d'eau. Ses propriétés détoxifiantes empêchent les accumulations du tractus intestinal. Pour maintenir une bonne santé digestive et excrétrice, et pour soulager les symptômes désagréables des hémorroïdes, il est recommandé de consommer du jus de radis maison. Consommer du radis vous gardera hydraté. Les radis sont riches en eau, ce qui en fait une excellente source d'hydratation. Aidez-nous à éviter la constipation, l'indigestion et l'absorption insuffisante des nutriments. Maladie du rein du système urinaire. Protège la santé et le bien-être des reins. Le radis est une plante diurétique et détoxifiante qui peut être utilisée pour traiter et prévenir diverses maladies rénales. Les radis peuvent favoriser l'élimination des toxines accumulées dans les reins et le sang ainsi que la prévention des infections bactériennes et la formation de calculs rénaux. Il peut être utilisé à la maison pour traiter les problèmes des voies urinaires. Le jus de radis a un effet diurétique et peut être utilisé pour réduire l'inflammation et la douleur pendant la miction. Le jus de radis a également de nombreux avantages. Maladie cardiovasculaire. Consommer du radis est bon pour la santé de votre cœur. Les radis sont riches en anthocyanes, un type de flavonoïde qui présente de nombreux avantages pour la santé.
Ils ont même été liés positivement à une incidence des maladies cardiaques les plus courantes a été réduite ainsi que les processus inflammatoires qui se produisent dans le corps. Abaisse la tension artérielle. Le radis est une très bonne source de potassium qui aide à réduire la tension artérielle. Lorsque le potassium pénètre dans l'approvisionnement artériel des lits vasculaires, il peut réduire la rigidité des vaisseaux sanguins et augmenter le flux sanguin. Maladie du système respiratoire. Il peut être utilisé pour traiter diverses affections respiratoires. Les radis sont décongestionnants. Les radis peuvent éliminer l'excès de mucus des sinus et de la gorge. Les radis sont parfaits pour éliminer la congestion du système respiratoire, ainsi que pour apaiser les irritations de la gorge, de la trachée et des poumons. Pour rendre l'eau plus efficace, ajoutez 100 g de radis à 1 litre d'eau chaude. Laissez reposer pendant une heure. Maladie de la peau, c'est un protecteur naturel de la peau. La consommation régulière de radis favorise une peau saine. Ils sont riches en vitamine C, collagène. Promoteur LO, le phosphore, zinc, la vitamine B et l'eau contribuent à nourrir, hydrater et régénérer les différentes couches de la peau. En raison de ses propriétés désinfectantes, il peut être extrêmement utile dans le traitement des affections cutanées telles que la peau sèche, les éruptions cutanées et les fissures. Il améliore le temps de récupération après avoir été piqué par un insecte. Les radis sont un bon remède pour soulager la douleur. Ses qualités antipruriginoses aident à réduire le gonflement causé par les piqûres d'insectes, en particulier les piqûres d'abeilles. Améliore l'apparence des taches blanches causées par la leucodermie. Cette maladie chronique peut être traitée à l'aide de graines de radis et de sa couleur naturelle. Mélangez 25 g de graines de radis rouge en poudre et 2 cuillères à soupe de vinaigre pour faire une pâte. La pâte peut ensuite être utilisée pour traiter les taches de leucodermie, qui doivent être répétées tous les jours pendant plusieurs semaines. Le radis a de nombreux autres avantages et utilisations pour la santé. Vous pouvez manger des radis en conjonction avec un programme de perte de poids. Elles sont. Ils sont faibles en glucides, mais riches en fibres, en eau et constituent une excellente alternative à la perte de poids. Il est riche en potassium, qui a un effet diurétique et accélère la combustion naturelle des graisses. Boire de l'eau de radis ou du jus de radis naturel plusieurs fois par jour vous aidera à perdre du poids plus rapidement. Il est riche en potassium, qui a un effet diurétique et accélère la combustion naturelle des graisses. Boire de l'eau de radis ou du jus de radis naturel plusieurs fois par jour vous aidera à perdre du poids plus rapidement. Le radis peut avoir un impact sur la prévention du cancer. Les radis anthocyanes sont riches en vitamine C et en acide folique qui peuvent aider au traitement de nombreux types de cancers. Ces antioxydants et son composé isothiocyanate peuvent également jouer un rôle dans la destruction des cellules cancéreuses en modifiant leurs gènes et en les faisant mourir. Apoptose, mort cellulaire. Les radis sont parfaits pour les diabétiques. Les radis ont un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'ils n'augmentent pas la glycémie. Les radis régulent également l'absorption des sucres grâce à leur teneur en fibres. Ils améliorent également le métabolisme des lipides par l'action de la glycoalbumine et de la fructosamine, composés hypoglycémiants. Les radis peuvent augmenter l'immunité. Les radis sont riches en vitamine C, qui est l'un des avantages les plus importants. Les radis sont riches en vitamine C. Une demi-tasse fournit près de 15% de l'apport quotidien recommandé. La vitamine C renforce notre système immunitaire. Nous sommes également capables de remplacer de nombreux antioxydants. La vitamine C régule le métabolisme et aide à créer du collagène. Cela réduit le risque de maladies cardiaques et d'athérosclérose. Comment manger du radis ? Le goût épicé du radis et sa texture croquante en font un excellent ajout aux salades composées avec d'autres crudités. Ce n'est pas la seule façon de manger du radis. Il existe de nombreuses autres façons dont vous pouvez réellement en bénéficier. Radis sautés. Les radis peuvent être sautés dans du beurre, avec un peu de sel, tout comme les autres légumes. C'est une excellente idée pour les personnes qui n'aiment pas les radis crus. Chauffez le beurre ou l'huile dans une casserole à feu moyen. Ajoutez les radis et coupez-les en carrés ou en tranches. Cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés. Le type de radis le plus populaire pour faire sauter est le noir. Radis effets secondaires et contre-indications. Radis sain crude peut provoquer des effets secondaires et des contre-indications. Irritation gastrique. L'isothiocyanate d'allyle, un composé soufré présent dans le radis,
peut avoir un effet irritant sur la muqueuse gastrique. Réaction allergique. Le sulfure de dialyle, un sous-produit du glucosinolate présent dans le radis, peut être un allergène et un irritant pour de nombreuses personnes. La plupart des réactions allergiques commencent à la surface de la peau. Elle peut entraîner une rhinite et une dermatite de contact. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.